the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es content d'être dans la maison de Dieu. Are you happy to be in the house of the Lord? Est-ce que tu es dans la joie ce matin d'être dans la maison de Dieu? Are you joyful to be in the house of the Lord? Ah, c'est vrai que le pasteur Kabasse n'est pas ici présent ce matin. It is true that Pastor Kabasse is not present this morning. Mais il y a un esprit qui l'anime chaque jour. But there is a spirit that is animating Pastor Kabasse each day. Et cet esprit est encore présent en ce lieu aujourd'hui. His spirit is present right now. Ah, avant de commencer, aujourd'hui nous allons prier en réalité. Nous allons prier, mais avant de commencer, j'ai tout simplement un mot que je vais partager avec vous. Before we start, I have a word I want to share with you. Et je veux que ensemble vous lisez dans Deutéronome 8. I would like that together we read from Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy. Deuteronomy 8, chapter 8. Deutéronome chapitre 7. Là, il est décrit. From Deutéronome chapitre 8. Oui, chapitre 8. Verse 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Then you say in your heart, my power and the might of my hand have gained me this wealth. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that he may establish His covenant, which He swore to your fathers, as it is this day. Permettez que je prenne 8 minutes pour pouvoir vous parler de quelque chose très rapidement. Ce n'est pas ça l'objectif de ma présence ce matin. Please allow me to just take 2 minutes to speak quickly about something else that I haven't planned for today. Je n'ai pas préparé ceci, mais c'est le message que j'ai reçu. J'ai reçu ça encore. It is something I haven't prepared, but a message that I just received. Et que je vais partager ensemble avec vous si vous le permettez. And that I am willing to share with you if you allow me to do so. C'est vrai qu'en cette année 2017, nous serons bénis. It is true that this year 2017 we are going to be blessed. Ah, la gloire de Dieu va descendre. Amen. The glory of God is going to come down upon us. Mais lorsque la richesse va venir. But when that wealth, that riches will come up, il faut que nous nous rappelions que toutes ces choses que nous avons, ce sont les fruits de la grâce pure de Dieu. We must remember that all our wealth coming from God is the fruit of the grace of God. Malheureusement, plusieurs pensent que c'est à cause de leurs études. Unfortunately, many of us think that it is because of our studies, la manière dont ils sont vraiment habiles, intelligents, the way we are smart and intelligent, c'est ceci par exemple qui les a permis d'être à ce poste et à ce niveau où ils sont aujourd'hui. Many of us think that this is our might, our knowledge, intelligence that allow us to have this promotion or that to be at occupying this position. Mais la parole de Dieu nous rappelle ce matin. But the word of God is reminding us this morning. De ne pas oublier. Do not to forget. Que c'est la main de Dieu qui a été avec nous et qui est avec nous. That it is the hand of God that was with us and that is still with us. Qui nous permet d'avoir tout ce que nous avons. That enable us to have whatever we have. Et si c'en est le cas? And this is the case. Si tu sais que c'est la main de Dieu qui donne ce que tu as. If you know, you recognize that the hand of God is the one that grants you whatever you have. Lorsque Dieu te bénit avec $1. So when God blesses you with even $1. La première des choses qu'il faut faire, c'est de se rappeler que c'est Dieu qui t'a donné ce $1 et que tu lui donnes sa part dans ce $1. The first thing to do is to remember that God is the one that grant you this $1 and to take out the part that will come to God and give it to God. La deuxième chose, c'est de faire des offrandes. Second thing to do is to give offerings. Le monde a compris ça, ils font vraiment des offrandes dans le monde. The world understands this and they do they give offerings in the world. Malheureusement, dans les églises aujourd'hui, unfortunately, in churches today, il devient de plus en plus difficile aux gens de donner. It is becoming harder and harder for people to give. La Bible déclare que celui qui donne sera encore béni. The Bible declares that the one that gives
will be blessed in return. Celui qui donne aura toujours sa main en l'air et celui qui reçoit aura toujours sa main. The one that gives will have his hand up in the air, but the one that receives will have the hand below. Donc, je veux qu'en cette année 2017, therefore, I want that during this year 2017, nous puissions cultiver cet esprit de donner. That we may be able to cultivate this spirit of giving. Ce n'est pas tout à fait normal que nous, les chrétiens, nous pouvons manger dans nos maisons et que les orphelins, les veuves, propices dans la misère. It is not normal that we as Christians we may be able to eat in our household and let widows just go hungry. Oui, je sais que pour nous tous, nous faisons un grand effort pour subvenir aux besoins de nos familles respectives. I know, yes, that all of us we are striving to meet the needs of our families. Qu'en est-il de ces gens-là qui n'ont pas l'opportunité d'avoir leurs parents ou bien d'avoir un de leurs relatives dans une position où ils peuvent les aider? Qu'en est-il de ces personnes-là? But what about those who do not have anybody, any relative in position to help them out? La Bible déclare que celui qui se souvient des indigents prête à Dieu. The Bible declares that the one that remembers the poor is just lending to God. Et une chose est sûre, on ne peut pas prêter à Dieu et vivre dans la misère. One thing is sure, you cannot lend to God and then live in misery. Quelqu'un a demandé à Job. Somebody asked Job, mais qu'as-tu fait pour être si riche? What have you done to be so rich? Et il a répondu. And Job answered. Et le jour la veuve devait mourir de faim. The day that widow was going to die from hunger. Le jour où l'orphelin n'avait rien à manger. The day the orphan has nothing at all to eat. J'ai répondu à leur soupir. I answered. Their breath. Et à cause de ceci, because of that, la bénédiction des malheureux est venue sur moi. The blessing of those miserable people came to me. À cause de ceci, because of that, ceux qui devaient mourir de faim le jour-là n'ont pas pu mourir, mais ils ont mangé à satiété. Those who were supposed to die from hunger that day, they were able to eat and be filled. And in return, Dieu m'a donné la bénédiction. God grant to me blessing. C'est vrai, nous allons prier. It is true that we're going to pray. Mais il y a certaines choses à prier ne le fait pas. But there are certain things prayer cannot do. Il y a certaines choses qu'on peut prier du matin jusqu'au soir, ça ne va pas changer. There are certain things you may pray all day long. The situation is not going to change. Il y a certaines choses qu'il faut vraiment faire un sacrifice. There are certain things that as it require you to sacrifice. Et un homme de Dieu m'a dit un jour. And a man of God told me one day. Chaque fois quand tu as un problème. Each time you have a problem. Pose-toi la question de savoir est-ce que j'ai besoin de prière. Ask yourself if I need prayer vigil or all night prayer. Est-ce que j'ai besoin de jeûne? Or whether I need fasting. Ou bien est-ce que j'ai besoin d'une action de grâce? Or do I need a thanksgiving? Il appartient à chacun de voir là où il se trouve. It is up to each one to know exactly where we stand. Et d'agir en conséquence. And to move ahead accordingly. May God bless you. Maintenant, revenons à nos moutons. Let us come back down to business. Nous avons le thème que j'ai devant moi aujourd'hui, c'est libère ton destin. The topic today is liberate your destiny. Nous avons un parcours de 30 minutes à faire. Et par conséquent, je vais tout simplement passer peut-être quelques 5 minutes pour pouvoir vous introduire et après nous allons prier proprement dit. I'm going to spend five minutes or so for the introduction and then we will go deep down into the word. La Bible déclare commencement Dieu créa l'homme à son parfait image. Bible declares that in the beginning God created human being in his likeness. Et comme si cela ne suffisait pas, Dieu le mettait dans un jardin appelé le jardin d'Éden. As it was not, this was not enough, God placed human being into a garden called the Garden of Eden. En effet, la Bible déclare que l'homme avait à sa disposition tout ce dont il avait besoin. As a matter of fact, the Bible declares that God put into at the disposal of human being all that they needed. Et donc l'homme n'avait besoin de rien. Therefore, man needed nothing. Dieu donna ainsi à l'homme le pouvoir et la puissance de dominer sur tout ce qui bougeait sur la terre. In so doing, God gave power and might
to have dominion upon everything that was on earth. Ainsi donc, nous avons eu le pouvoir, bien nous avons le pouvoir d'assujettir tout ce qui se meurt sur la terre. So we had the power, the authority upon everything on earth. Dans cette autre idée, nous pouvons même dire que les anges étaient à notre service, puisque nous, nous sommes créés à l'image de Dieu, et les anges n'étaient pas créés à l'image de Dieu. In that vein, we can say that we have the authority, the authority even over the angels, because we have been created at the image of God. Malheureusement, lorsque Lucifer commit sa chute dans le ciel, unfortunately, when the fall of Lucifer came about in heaven, et qu'il a été précipité sur terre, and he was pushed down on earth, il a utilisé sa ruse pour mettre l'inimitié entre nous et Dieu. Satan used his wiles, his trickeries to place inimity between us and God. Ainsi donc, au lieu que le plan ou bien le dessein de Dieu s'accomplisse dans notre vie, so to the point that instead of the plan of God be realized in our lives, au lieu que nous soyons des sujets de gloire pour Dieu, instead of we being subject of glory to God, au lieu que Dieu puisse dire avec fierté que nous sommes des produits de sa main, instead of God saying from us that we are the work of his the product, the work of his hand. Malheureusement, plusieurs d'entre nous, nous sommes plutôt objets de gloire de Satan et de ses agents. Unfortunately, many among us, we are rather a subject of joy for Satan. Les ennemis plutôt se réjouissent de nos échecs répétés. Rather, the enemy rejoices because of our failures that are repeated. Ainsi donc, nous voyons des parents qui mettent tout à la disposition de leurs enfants. So we will see the parents that will place everything in the hand of their children, afin que ses enfants puissent réussir, for their children to be successful. Et les mettre dans les conditions aussi propices que l'on puisse nommer. The parents will place their children in a suitable, comfortable situation, afin qu'ils puissent devenir des hommes respectables, des hommes respectés dans la société. For the children to become respected and respectable people in the society. Malheureusement, certains de ces enfants, unfortunately, some of those children, commettent toutes sortes d'iniquités, toutes sortes d'abus, toutes sortes de bévues, commit all kind of iniquities, all kind of transgressions and debauchery. Certains de ces enfants se livrent, par exemple, à des drogues, à des activités qu'on ne peut même pas nommer au sein de l'Église. Some of those children get themselves involved in activities that we cannot even name here, drugs and all kind of illicit activities. Mais ma prière pour toi et moi ce matin, but my prayer for you and myself this morning, ma prière pour toi qui m'écoute ce matin, my prayer for you that is listening to me this morning, c'est que Satan ne trouve rien en toi, is that Satan may not find anything in you, qui pourra lui permettre de se réjouir à ton sujet, that will cause him to rejoice about you. Ma prière c'est que ce matin, my prayer is that this morning, tout ce que Satan a mis ou bien les esprits maléfiques démoniaques ont mis en toi, anything that Satan or the evil spirit have placed in you, la Bible déclare que tout arbre n'a pas été semé, qui n'a pas été planté par Dieu sera déraciné. The Bible declares that every tree that was not planted by God should be uprooted. Sur la base de cette parole ce matin, on the ground of this word, je prie que ça devienne réalité dans ta vie. I pray that this become reality in your life. Afin que tout ce qui est dans ta vie ce matin, so that anything that is in your life, afin que tout ivraie qui est semé dans ton jardin ce matin, any wheat that has been planted in your life, la gloire, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin, may meet up with the glory, the power of the Lord this morning. Et qu'il soit déraciné au nom de Jésus. And let it be uprooted in the name. Prie ce matin afin que toute parole négative prononcée à ton encontre, I pray this morning that every evil word pronounced against you, rencontre la puissance de notre Dieu, may encounter the power of our God, la puissance du Dieu de la liberté, the power of God of freedom, auteur de toute vie, honor of the creator of all lives, afin que cette parole négative puisse être déracinée à jamais dans ta vie, so that those negative words may be uprooted forever in your life. Beloved brothers and sisters, nombreux sont ceux qui en ce jour, many are those on this day, troublés sous la pression et sans espoir,
They are upon pressure and without hope. Nombreux sont ceux qui sont balancés de gauche à droite et à l'instar d'un roseau. Many are those who are tossed on the left and on the right, just like I mean, the roseau, c'est un petit un arbre qui balance de gauche à droite. Ça dépend de comment le vent souffle. Mais le réseau ne se déracine pas. Okay, we're talking about, the straw. Aller à gauche, à droite, même n'allons pas nous déraciner. The straw, this type of plant that would be tossed or would swing from left and right, depending on the wind. So because we are standing on the rock, we are not going to be tossed away. Le malheur dans ceci, c'est que the misfortune in all this, certains même ont déjà abdiqué. Some of us have already given. Et ils ont accepté la situation qui se présente devant eux comme étant leur destin ou bien comme étant leur sort. They just accept, give up, and accept the situation, saying that this is my destiny ainsi, or my fate. Ainsi donc la stagnation. So they stay still on the same place. Ainsi donc les échecs répétés. So repeated failures. Avoir un diplôme et ne pas avoir un emploi qui correspond à ce diplôme. To have a degree but not find a job that matches that degree. Ainsi donc avoir un foyer qui ne marche pas quand les choses ne marchent pas. Have a household but where things are going wrong. Ainsi donc certaines maladies. So the same way some diseases constituent donc notre sort et notre destinée. Make up our fate and our destiny. Bien-aimé en Christ ce matin. Beloved in Christ this morning. Je veux que vous compreniez que là ce sont les ruses de l'ennemi pour pouvoir nous détourner du plan de Dieu pour nous. I would like you to understand that those are the wiles of the enemy to take us away from the plan of God. Ce sont là purement des idées diaboliques, des idées purement inventées par Satan et ses agents. Those are all demonic ideas invented or manufactured by Satan pour nous maintenir dans la servitude et dans l'ignorance. In order to keep us in captivity and in ignorance. La Bible déclare dans Jérémie 29, verset 11. The Bible declares in Jeremiah 29, verse 11. Là, il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. I know the thoughts that I think toward you. Projet de paix et non de malheur. Says the Lord, thoughts of peace afin and not of evil. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. To give you a future and a hope. C'est le plan de Dieu pour nous. This is the plan of God for us. C'est la volonté de Dieu pour nous. This is the will of God for us. C'est la raison pour laquelle nous sommes créés. That's the reason why we have been created. Dieu nous a établi roi et reine. God has established us to be king. Dieu nous a appelés docteur, pasteur, prophète. God has called us doctors, pastors, and prophets. Comme c'est écrit dans Jérémie 1, à partir du verset 5. As it is written in Jeremiah chapter 1, starting verse 5. Donc, si cette promesse de Dieu n'est pas pour toi ce matin. So, if this promise of God is not for you this morning. Si le bonheur n'est pas ta portion ce matin. If goodness and happiness is not your portion this morning. Eh bien, je vais te dire que tu as un combat à faire. Though, so, I'm going to tell you, you have a fight to fight. Tu as un combat à faire afin de libérer ton destin de la main de ces esprits qui t'ont pris en captivité. You have a war to wage to be able to take yourself from that captivity. Et il faut parfois que nous lancions dans des prières violentes. Sometimes it takes us to get involved in a violent combat. Pour accomplir ceci. To be able to accomplish this. La Bible déclare que Daniel avait prié, je crois que c'est Daniel 10, à partir du verset 10, je ne me trompe pas. The Bible declares, probably in the book of Daniel, chapter 10. Not probably, it's in Daniel 10. It is in Daniel, chapter 10. 10. Yeah. Que Daniel avait prié. Daniel prayed.
Et dès qu'il avait prié, depuis le premier jour quand il a prié. So since the first day he prayed, Dieu avait déjà reçu et a déjà écouté ses supplications. God has already received and answered his supplication. Tout était déjà très clair. Everything was clear. Mais la Bible déclare que pendant 21 jours. But the Bible declares that during 21 days. Nous savons que un jour devant Dieu peut être un an devant les hommes. We all know that one day before God. La Bible déclare que pendant 21 jours. Bible declares that during 21 days, eh bien, il y avait certains esprits qui ont bloqué à ce que la réponse de Daniel lui soit accordée. There were some spirits that had blocked the answers of David, Daniel. Et c'est quoi mon point en disant ça? What am I trying to say here? Et tout simplement, je veux vous dire ce matin que I'm just wanting to tell you this morning. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne nous a pas déjà béni. La bénédiction est déjà là. Nous sommes nés avec cette bénédiction. The issue is not like God is not going on, is not answering us. We have been blessed already. Mais parfois, il y a certains esprits. But sometimes there are some spirits out there. Parfois, il y a certaines puissances. Sometimes you know, there are some powers out there. Qui complotent tout à notre défaveur. They will plot everything against us. Afin de pouvoir ravir ce plan merveilleux que Dieu a pour nous. In order to snatch away from us this marvelous plan that God has for us. Ne nous détrompons pas parce que nous sommes aux États-Unis. Let not make a mistake saying that because we are in another state. As a matter of fact, s'il y a des gens qui doivent prier plus, ce sont les gens qui sont dans cette salle aujourd'hui. As a matter of fact, if there should be people praying more, that should be us being in this place right now. Parce que c'est grâce à toi que personne ne peut plus se tenir devant ta maman et lui parler n'importe comment. Why? Because it's because of you that nobody else will just stand before your mother and speak to her and talk to her anyhow. Parce que c'est grâce à toi que personne ne peut plus venir dans ta maison, au pays et parler n'importe comment au sujet de ta famille. Because it is thanks to you that nobody will just come and show up in your house, back home, and then speak to your family anyhow. Ne me dis pas que non, moi dans ma famille tu vas très bien, non, ne me dis pas ça. Don't say, sorry. Ne me dis pas que dans ma famille, moi dans ma famille tu vas bien. Eh bien, si dans ta famille tu vas bien. Don't tell me that in my family I don't have that kind of problem, everything is well. Je veux que tu intercèdes pour moi ce matin. But if this is the case, I don't want you to intercede for me this morning. Parce que moi je connais le background, moi je connais le fondement de lequel je viens. Because me, as for me, I know where I'm coming from. Et je sais que j'ai besoin de certaines prières. I know that I need some prayers. Donc intercédez pour moi lorsque nous allons commencer par prier aujourd'hui. Please go ahead and intercede for me when the time comes. Nous voyons par exemple dans la Bible que dans 1 Chronique verset 4. In the Bible, in 1 Chronicles chapter 4. À partir du verset 9 sur lequel nous allons nous baser pour pouvoir prier aujourd'hui. Starting from verse 9, where we will pray today. La Bible nous parle de l'histoire d'un jeune homme. The Bible is talking to us about a story of a young man. Et nous allons apprendre de sa prière aujourd'hui pour poser le fondement de notre prière. And we are going to learn from his prayer to be able to lay the foundation of our own prayer. Selon le plan de Dieu pour ce jeune homme. According to the plan of God for this young man. Il était envoyé sur terre en tant que honorable. That young man was sent here on earth as an honorable. Et si la Bible dit que quelqu'un est envoyé en tant que honorable, ça veut dire que cette personne vraiment désire le titre d'être honorable. If the Bible says of somebody that that person is honorable, that means exactly that that person is honorable. Malheureusement, les circonstances de sa naissance. Unfortunately, the circumstances of his coming to earth, his birth. Malheureusement, les circonstances de sa maison paternelle ou bien maternelle. Unfortunately, the context, the situation of his father or mother's homes. Je dirais même que sa terre d'accueil ou bien sa patrie. I would even say the land of his land of his the land he was born into.
ont donc renversé le plan de Dieu pour sa vie. All that has changed around the plan that God has for his life. C'est pourquoi je disais gloire soit rendue à Dieu ce matin quand notre pasteur Hassan priait, il disait que les circonstances dans lesquelles les enfants vont grandir, mais seront éduqués, c'est ça qui va déterminer par exemple leur vie. That's why I give glory to God because when Pastor Hassan was saying, reminding us that the circumstances the children will be bring up, that will be the thing that will lead them throughout the life. Parce que Dieu a déjà mis sur ta vie que tu es honorable. Because God has already placed in your life that you are a honorable person. Mais les conditions qui vont entourer ta vie. But the environment, the condition that will surround your life. Les conditions dans lesquelles tu vas grandir. The condition in which you're going to grow up. Nous ont montré par exemple que cet enfant qui était né honorable a eu comme nom souffrance. This environment shows us that this child that was born as honorable was called suffering. Non, mais quelque chose s'est passé. But something happened. Jabez est reparti vers son Dieu. Jabez went back to his God. Et il a invoqué. And called upon his God. Afin que son destin soit rétabli pour lui. So that his destiny may be restored to him. Et pour certains d'entre nous, c'est le nom seulement des familles que nous portons. For some of us, it doesn't even take the name of the family that we are bearing. Nous ne savons pas dans quelles circonstances le nom, par exemple, ces noms ont été donnés. Oui, je ne dis pas de changer les noms. I'm not advocating to change your name, but it just takes the name of even the name of some of us, the family's name. Mais il y a un travail qui doit se faire sur ces noms-là. But we don't have a work to do upon those kind of names. Il y a certains ponts qui doivent être coupés avec ces noms-là. There are some bridges we just have to cut off from those names. Donc si toi aussi tu veux que ta vie reflète le plan de Dieu pour toi, so if you also want your life to reflect the plan that God has for you, si tu veux que le plan de Dieu se révèle pour toi, if you want the plan of God be revealed to you, si la gloire de Dieu ne se lit pas sur ton visage, if the glory of God is not shining upon your face, si le nom de Dieu est un nom qui est contraire au nom que Dieu t'a donné, if this world is giving you a name that is opposite of the name God is to have for you. Si ce matin tu veux sortir du rang des incapables pour rentrer dans la catégorie des capables, if today you want to come out from the line of those who are unable and be in the group of the humble body, et bien je veux que tu apprennes des prières de Jabez ce matin. Therefore, I want you to learn from the prayer of Jabez. Adresse-toi à ton Dieu ce matin, tu verras bien ce qu'il peut faire. Call on your God this morning to see what he is capable of doing. Loin de nous l'idée de nous en avoir. Far from us the idea to just boast. Tout ce que nous voulons, c'est que la gloire de Dieu puisse vraiment se révéler pour nous. All that we want is that for the glory of God be revealed upon us. C'est que Dieu puisse nous voir et puisse nous indiquer que c'est ça, la gloire se trouve sur cette assurance. We don't want God to look at us and say that, oh, my glory is upon this child. Donc si tu es prêt ce matin, cher frère, je suis en Christ. So if you are ready this morning, if you want to take out away your destiny from the hand of evil spirits, si tu veux que le destin de Dieu s'accomplisse dans ta vie, if you want the purpose of God be accomplished upon your life, si tu veux sortir du joug des esprits démoniaques, if you want to come out of the dominion of evil spirits, je veux que tu te lèves sur tes pieds ce matin, nous allons prier. I would want you to stand on your feet this morning and pray.